L'amour, quel mystère pour moi et toi. Les ambitions nous jettent un œil arrogant. Je veux danser sous la pluie, chanter pour la vie. Le vent me portera ainsi. Pas des nuages, pas d'orage. Regarde-moi, je souris. Je m'appelle Monica Cabasselet. Je suis chanteuse et compositrice. Mon projet s'appelle Gréco-Futurisme. L'idée de ce projet, c'est de mélanger la musique grecque traditionnelle, mais arrangé dans un contexte jazz modal ou tonal, et en même temps la musique congolaise d'un autre côté qui fait partie de mes influences depuis que je suis petite. Il y a tellement de choses différentes parce que ça chante aussi en français, en anglais et en grec. Ça raconte plein d'histoires différentes. C'est un peu dans la continuité du jazz, je pense, d'avoir enfin, de juste mettre son métissage personnel dans sa musique. Mais pareil, ce que j'aime bien aussi dans sa manière de chanter les thèmes et tout, c'est y a un truc comme une simplicité, quoi. Vraiment, qui va direct à l'essentiel. Στο παύρε μαργούδι να μη βγες, στο παύρε μαργούδι να μη βγες. Έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα. Je pense que ce qu'elle voulait, c'était vraiment mélanger les cultures, quoi. Elle, donc la culture grecque, la culture syrienne avec l'île. On se réunit tous dans le jazz, mais aussi on a tous d'autres visages musicaux. C'est une chanteuse qui a une forte personnalité, qui propose autre chose que du jazz, on va dire, standard. Et le mélange de cultures me parle tout particulièrement. Et moi, c'est ce que j'aime dans sa musique, une sincérité, une culture, une musique assumée. Moi, c'est ce qui me plaît et je pense que c'est ce que les gens ressentent. Donc, comme on a fait pas mal de concerts en vrai avec Monica, souvent au Baiser Salé. Et en général, c'est souvent plein aussi. Et les gens sont assez enthousiastes de la musique. Surtout que Monica a une présence scénique qui est très agréable, je pense, vis-à-vis du public. Parce qu'elle a l'air très, très sincère. Jouer en live, ça permet de bien construire les morceaux, je trouve. Je pense que là, il commence à être pas mal les morceaux. Ça fait à peu près 4 ans que je me suis mis au clavier, au synthé, tout ça. Et j'essaie de plus en plus de m'incorporer. C'est vrai qu'on a commencé vraiment en formule presque jazz classique, quoi. Et petit à petit, elle a ramené le looper, moi j'ai ramené un synthé. Et voilà, de fil en aiguille. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle gréco-futurisme, en fait, parce qu'il y a la tradition, mais en même temps, il y a le jazz et il y a aussi les effets électroniques qui donnent un côté futuriste dans le projet. Vraiment, j'ai hâte que les gens puissent écouter l'album aussi. Parce que je pense qu'on est en train de faire quelque chose de vraiment bien. Une musique dont on sera tous fiers. Beaucoup de faire sentir bien les gens qui se sentent bien quand ils sont avec moi, et donc je pense que la musique, ma musique aussi, porte ça.
d'apporter de la joie aux gens qui écoutent de la musique pour être soulagés, pour sortir de leur vie quotidienne, pour avoir de la lumière. Donc, et j'espère que mon projet aussi pourrait aller vers ces chemins.